Ceci d'Almeida, buteur avec Pau FC. Voilà l'information principale. Nous vous prions de suivre ce flash du début jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup d'autres informations qui vont s'enchaîner, à part l'information concernant bien sûr Ceci d'Almeida. C'est vrai que cette information, on en avait déjà parlé dans l'un de nos flashs, mais on va beaucoup plus détailler l'info ici maintenant et vous allez mieux comprendre. Ligue 2, deuxième division française, bien sûr, vous voyez. On va d'abord rendre aussi hommage à cette page Facebook qui nous aide beaucoup dans la publication de nos vidéos ici. Benfoot Robot, voilà la page Facebook. Ouais, et il faut leur rendre hommage. Ils font un travail crucial, bien sûr. France, Ligue 2 française. 15e journée, vous voyez, Ceci d'Almeida a offert, bien sûr, la victoire à Pau. En déplacement, Pau FC de Ceci d'Almeida a dominé l'AS Saint-Etienne, s'il vous plaît, au stade Geoffroy Guichard. Ne marque pas qui veut au stade Geoffroy Guichard ce samedi 25 novembre 2023 dans le cadre de la 15e journée de la Ligue de BKT. Menu 1-0 à la pause. Les Palois ont renversé la vapeur en seconde mi-temps pour s'imposer 2-1, s'il vous plaît, avec le but victorieux inscrit par Ceci d'Almeida. Entrée en jeu à la 46e minute, début de seconde partie. Le milieu terrain béninois a marqué à la 78e minute. Il va par la suite écoper tout le monde, naturellement, d'un carton jaune à la 90e minute plus 1. Pau compte 22 points actuellement et prend provisoirement la 7e place du classement. Vous voyez, voilà les détails de l'information concernant le but marqué par Ceci d'Almeida. En commentaire épinglé, on va mettre le lien de ce but et on va vous donner l'opportunité de revoir ce but parce que nous ne pouvons pas mettre bien sûr ce but ici au risque d'être censuré par la Ligue 1 française. Vous voyez, c'est un peu ça les contraintes que nous avons actuellement. On va s'enchaîner avec Echo des Guépards, les Guépards qu'on n'a pas abordé dans nos flashs. On va parler de ici. Vous voyez, les internationaux béninois ont réalisé bien sûr diverses performance, bien sûr. Rodez et Andreas Rontondi ont été battus par Grenoble 2-1. L'attaquant béninois n'était pas dans le groupe, bien sûr, Rotenois. Ils occupent la 9e place avec 20 points. Pourquoi ils n'étaient pas dans le groupe? Est-ce qu'il est blessé? On va creuser beaucoup plus tard dans nos flashs. L'Estac 3 de Junior Ola étant s'est incliné 0-1 plus. Face à l'en avant Guingamp, s'il vous plaît. Le milieu béninois a suivi le match depuis le banc de touche. 3 et 17e. Relégable, bien sûr, au classement avec 13 points, s'il vous plaît. Ça va très mal de ce côté-là. Et vous voyez, c'est ce qui se passe. Et Amiens Sporting Club de Youssouf Assogba et l'US Concarneau se sont neutralisés 0-1 partout. Le latéral droit béninois est resté au banc pendant toute la rencontre. Amiens pointe à la 10e position, bien sûr, avec 20 points. Le stade Lavallois de Jordan AD aussi était en déplacement. Ils ont dominé bien sûr l'USL Dunkerque par le score de 2-0. Adeoti a fait son retour de blessure depuis quelques semaines. Continue bien sûr de grappiller des minutes pour cette rencontre. Le milieu béninois est entré à la 83e minute. Laval est leader premier bien sûr avec 32 points. Vous voyez que Rouen Métropole de Roche-Joanne s'est incliné. Ils ont été contraints bien sûr au match. Est-ce qu'ils se sont inclinés? C'est un match nul. 0-1 partout, match nul vierge par Valenciennes. Blessé depuis quelques semaines, le défenseur béninois n'était pas de la partie. Et Quevilly est 18e relégable aussi avec 12 points. Voilà quelques infos, bien sûr, de nos Guépards pêle-mêle, vous voyez. Et on va poursuivre toujours en allant en Suisse de l'autre côté de Yverdon. 15e journée, bien sûr. Notons que Yverdon et Tidjani ont été battus littéralement. Yverdon FC de Tidjani Mohamed s'est incliné lourdement ce samedi 25 novembre 2023 dans le cadre de la 15e journée de Super League face, bien sûr, à Lugano FC. Les Verts ont courbé l'échine 0-5, s'il vous plaît, titularisé. À nouveau, le défenseur béninois a joué les 90 minutes. Il s'agit de sa 4e titularisation de rang et son 8e match en championnat. Yverdon Sport reste à 17 points et descend à la 7e place, s'il vous plaît. Vraiment, de ce côté-là, il va falloir se prendre au sérieux. Kiki David tombe à l'extérieur avec Farul Constanta. Farul Constanta de Kiki David a été dominé ce samedi 25 novembre 2023 par le FC Voluntari. C'était bien sûr à l'occasion de la 17e journée de Super Lega, s'il vous plaît. Dans une rencontre où tout est allé très vite, bien sûr, les champions en titre roumain ont concédé 3 buts en première
mi-temps, ce qui a fait qu'ils ont perdu bien sûr le Guépard. Et ses partenaires ont finalement se sont finalement inclinés 4 buts à 2 titulaires. Le latéral gauche béninois a cédé sa place à la 76e minute. Farouk Constanta est provisoirement 7e au classement avec 22 points, s'il vous plaît. Cette saison, ça ne va pas du tout de ce côté-là. Les saisons antérieures, Farouk Constanta faisait la pluie et le beau temps dans ce championnat. Mais cette fois-ci, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe et ça coince véritablement à ce niveau-là. J'espère que vous aimez ce qui se passe ici. Et avant de poursuivre, bien sûr, pause publicitaire pour ceux qui ont envie de faire des contenus sur YouTube, faire des vidéos sur YouTube et gagner de l'argent. Un seul contact, plus 229 53 63 87 30. On va vous montrer comment ça se passe, comment les gens font des contenus sur YouTube jusqu'à gagner de l'argent. Donc, si vous voulez, bien sûr, prendre votre formation, il n'y a pas de souci. Et le lien, le numéro est encore en commentaire épinglé. Vous voyez notre adresse mail aussi. Il y a beaucoup de choses en commentaire épinglé. Je laisserai beaucoup de choses. Et j'espère que vous avez adoré ce Flash Info et ceci d'Almeda a marqué. C'est l'essentiel qu'il faut retenir, c'est l'information principale. Mais en dehors de ça, on vous a bombardé aussi d'autres infos. Quand vous êtes sur la chaîne ici, vous faites partie, bien sûr, des mieux informés dans le monde. Et j'espère que vous allez très bien. On se dit à tout de suite pour un nouveau Flash. Ciao, bye.